Bonjour, euh, bonjour tout le monde, bonjour Anis. Euh, bonjour. Enchanté, ravi de, donc de, de faire ta connaissance. Euh, donc... Euh voilà, ce soir, l'idée, c'est de, de pouvoir, euh, donc, tu m'as fait part, en fait, sur, euh, sur Twitter, que euh, tu avais des travaux d'écriture à côté. Et, euh, et donc, en gros, bah, l'idée, euh, ce soir, comme un peu les, les autres soirs, c'est de pouvoir euh, euh, creuser un petit peu euh, ce que ça représente, euh, l'écriture pour toi, euh, des émotions qui sont liées à ça, et essayer d'avoir une journée type, finalement, de mmh. un peu de activités pour toi, pour, euh, pour comprendre un peu plus, euh, un peu plus ce sujet-là. Euh, donc, bah, ce que je te propose, c'est euh, de commencer dans le vif du, du sujet et puis bah, de, de laisser te présenter un petit peu et, euh, et ton parcours pour arriver justement jusqu'à à, l'écriture. Euh, donc, euh, je suis à Nice. Euh, en ce qui concerne ma chaîne Twitch, euh, c'est tout nouveau donc euh, je vais pas trop mettre la dessus. Il n'y a, a pas 50 000 contenus. Mais euh, j'ai commencé euh, à écrire en fait, euh, je crois j'avais 15 ans, quelque chose du genre. Euh, j'étais, euh, ouais, euh, je pense euh, fin collège, début lycée. Euh... Parce que je, je lisais déjà beaucoup tout ce qui était euh, des, des mangas, je regardais beaucoup d'animes, etc. Et en fait, j'en avais regardé tellement, euh, j'étais tellement dans ma petite bulle, euh, parce qu'à l'école, tout ça, ça se passait pas hyper bien, qu'au bout d'un moment, bah, j'ai un petit peu éclusé euh, tout, tout ce qui m'intéressait, qui était sorti à, à ce moment-là. J'avais un petit peu fait le tour de tout ce, qui, ce que je pouvais avoir euh, en français ou euh, en anglais, même si je, à ce moment-là, je ne parlais pas encore hyper bien l'anglais. Et euh, du coup, j'étais un petit peu frustrée de ne rien, plus rien avoir à, à me mettre sous la dent. Euh, donc du coup, je me suis dit, ben, si ce n'est pas déjà écrit, ben, je vais le faire en fait. Okay. Au moins, je suis sûre que c'est ce que je cherche, c'est ce que je veux lire. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. C'était pas très folichon au début. Hein. Tous les débuts sont, sont un petit peu chaotiques, euh, surtout quand, euh, quand on est ado comme ça. Pas, on ne fait pas des romans de 500 pages. Hein. Euh, Ce n'est pas non plus des scénarios très recherchés. Euh. <laughs> voilà, quand je regarde maintenant, euh, parce que je les ai, je les ai encore aujourd'hui, hein, les tout premiers, les tout premiers, euh, tout premiers écrits. Euh, bon, j'ai mes yeux qui saignent quand je le fais quand je les relis, mais, euh, mais je les ai toujours. <laughs> Et euh, ben, en fait, c'est devenu un petit peu une passion de justement d'écrire tout ça. J'avais tout le temps plein d'idées qui me venaient en tête. Tiens, j'ai pas parlé de ça, mais ça va pas avec cette histoire actuellement. Donc, euh, je fais un nouveau projet qui va justement se concentrer autour de cette nouvelle idée. Et j'ai agrandi comme ça mon panel. J'ai continué d'écrire un petit peu. Et euh, j'en suis là aujourd'hui où euh, bah, maintenant, euh, c'est assez compliqué pour moi justement d'écrire euh, des choses qui font moins de 500 pages. <laughs> Je n'y arrive plus. C'est plus possible. Donc quand tu dis des choses qui font moins de 500 pages, ça veut dire que tu écris des... En gros, tu écris par, euh, des romans par bloc en quelque sorte euh, bah, J'ai un exemple, ça. Voilà. D'accord. Ça c'est toi qui l'as écrit. Oui, ça, c'est moi qui l'écris. Euh, il n'est pas en vente, hein, je préviens. C'est juste ouais. que j'ai imprimé trois copies physiques une pour moi, une pour ma maman et un pour, ce, et pour celui qui a lu les, 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 les chapitres. Mais euh, voilà, c'est ce que ça donne. C'est le premier que j'ai fini. Voilà. Top. Euh, il y a actuellement euh, 502 pages. C'est combien de temps de travail, ça, ce type de, de livre euh, Je ne pourrais pas te dire exactement euh, c'est temps d'heures, etc. Parce que. Euh, euh, je l'ai fait euh, dans mon temps libre, euh, quand j'avais envie, quand j'avais l'inspiration. Mais euh, j'ai commencé en fait celle-là, euh, euh, qui s'appelle 12. Bon, maintenant je l'ai renommée d'Astragal 12. Euh, je l'ai commencé justement, ça a été un de mes vrais premiers projets euh, en 2015, je crois. Et euh, j'ai imprimé du coup les copies physiques en 2018. Voilà. Ok. Et euh, donc du coup, euh, donc 2012 jusqu'à 2018, donc 6 ans. 2015. 2015, 2015. Euh, donc du coup, 3 ans. Euh, ça fait combien de temps que tu écris du coup, en tout Depuis que j'ai 15 ans, donc ça doit faire euh, genre euh, les années 2000, 2010, euh, 2009, quelque chose du genre. Donc une dizaine d'années. Voilà. Dans le chat, on me demande, comment parviens-tu à structurer euh, bah déjà, avant d'écrire, euh, je crée tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Je ne pose pas le moindre chapitre, le moindre mot dans le, dans le manuscrit avant d'avoir euh, à peu près tous les personnages, enfin tous les personnages principaux qui sont euh, totalement construits avec leur passé, leur futur, euh, mais également la, la fin en fait, euh, du livre. Je n'écris pas le livre tant que je n'ai pas la fin. D'accord. Alors, donc, du coup, pour bien comprendre, euh, tu, quand tu dis que tu construis tout, ça veut dire que tu construis l'univers, j'imagine, okay. la fin, hmm. mais aussi l'histoire, c'est ça l'idée C'est ça, en fait, euh, je vais avoir euh, une idée euh, assez détaillée, en fait, je vais avoir euh, bah, euh, bah forcément l'idée générale, qui fait que j'ai envie d'écrire euh, dessus. Euh, mais euh, forcément, euh, il faut qu'il y ait une intrigue un minimum intéressante et qui change aussi euh, des autres projets que j'ai déjà entamés, qui sont déjà écrits. Parce que si c'est juste, par exemple, faire une copie d'un autre projet, mais juste avec ce thème-là qui est différent parce que je n'ai pas, pas inclus, euh, inclus ce thème-là dans l'autre, ça ne sert à rien. Euh, donc il faut vraiment que je développe euh, une idée, de, un, un scénario euh, à part entière euh, dessus euh, vraiment une vraie, une vraie histoire. Euh autour de ça et puis en fait j'ai commencé à petit à petit à imaginer avoir des scènes euh, dans ma tête comme, comme quand on regarde un film euh, J'ai vais avoir euh, par exemple une musique euh, qui va euh, me donner l'inspiration et qui va me dire euh, tiens cette musique là et eh ben j'aimerais bien, bien que, ça, que dans cette histoire à, sur cette musique là par exemple il y a ça qui, qui se passe et je vais commencer justement à, à, faire, à prendre des notes euh, là dessus à mettre euh, ces idées là de côté et puis à, à commencer euh, une fois que je commence à avoir plein de scènes à pouvoir petit à petit essayer de faire un puzzle avec tout ça euh, toutes ces idées que j'ai envie d'incorporer là dedans sur euh, ce thème général et, euh, et euh, agencer tout ça en fonction aussi de, de la fin, des personnages de qui, euh, qui va être euh, pas gentil, qui va être très gentil, etc. D'accord. Donc finalement, tes sources d'inspiration, elles sont multiples. Euh, genre, tu me parles de musique, par exemple, c'est vrai que c'est très étonnant. De, de... Enfin, en tout cas, moi, ça me surprend euh, de t'entendre parler de musique pour écrire un livre. Euh, Est-ce que Parce tu pourrais que... nous donner un exemple euh, Je n'écoute pas des musiques, genre euh, les musiques qu'on entend à la radio ou qu'on euh, qu va écouter sur Spotify moi mes mes musiques quand on les regarde c'est il y a rien de tout ça c'est euh, des musiques euh, cinématiques ça va être des orchestres ça va être euh, ça va être même des nightcore les nightcores, nightcore c'est on, on a tendance à penser que c'est un peu euh, weiboo, mais au final au final un nightcore c'est euh, ça donne énormément d'émotions généralement c'est c'est badass c'est une, une version d'une musique qui a été réarrangée pour que ça c'est euh, une puissance etc et justement c'est c'est des musiques comme ça, qui donne des émotions que j'ai cherchées pour justement après euh, les transposer un petit peu sur la scène que j'ai en tête pour pouvoir la décrire au mieux et euh, un petit peu euh, ressentir un petit peu plus instancément l'émotion de la scène grâce à cette musique. D'accord. Et donc, euh, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment tu fais pour ne pas partir dans, dans tous les sens en fait euh, Je pars dans tous les sens <laughs> C'est pour ça que je crois qu'à l'heure actuelle, euh, dans mon fichier d'écriture, euh, je, euh, je dois avoir au moins une cinquantaine de dossiers de projets. D'accord. Euh, après, je, je les connais tous par cœur parce que euh, forcément, euh, c'est mes projets, je les connais sur le bout de la langue, je ne peux pas les confondre, etc. Mais, euh, mais voilà, j'ai tout le temps des, plein d'idées qui me viennent en tête euh, quand je découvre une nouvelle musique qui va me... Ou, euh, que, euh, je vais découvrir même... Euh, bah là, euh, récemment, euh, fin, récemment, ça fait quand même un petit moment que, que je suis ça, mais sur, euh, sur YouTube, il y a deux, euh, deux youtubeuses, euh, Olympe et puis... Euh et Christina de The Peculiar Club euh, elles sont toutes les deux atteintes du euh, syndrome dissociatif de l'identité et mmh. je trouve ça absolument incroyable en fait c'est euh, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout euh, au moment où je les ai découvertes et je me suis rendu compte que justement pour l'instant malgré ma cinquantaine de projets il y en avait aucun dans lesquels euh, j'avais un personnage principal justement avec euh, une maladie mentale ou avec un syndrome particulier ce genre de choses et euh, du coup, j'ai commencé à me poser la question euh, est-ce que ce genre de choses, est-ce que je peux l'incorporer euh, dans un projet qui existe déjà, ou est-ce que je vais construire un autre projet autour de ça parce que c'est intéressant Et puis, c'est justement, ça permet aussi de représenter ces, ces gens-là, d'avoir de la diver de diversifier ces personnages, etc. Et, euh, donc, forcément, quand je tombe sur plein de choses comme ça différentes, euh, ça me donne souvent envie d'écrire. Sur ça, un autre projet à nouveau. et euh, Donc, je pars forcément dans, les, dans tous les sens. Mais euh, je mets de côté les projets qui sont vraiment naissants euh, pour me concentrer sur ceux qui sont un peu plus aboutis. Et euh, une fois que. Voilà, bien classé dans l'ordre de, bah, de mes préférences. Ouais. Forcément. Il, y a des, okay. il y a des projets que je préfère à d'autres. Et euh, vraiment, euh, ne pas je ne travaille pas sur tous en même temps. Bien sûr. Voilà. Quand tu parles de, de projets, du coup, ça veut dire que tu as dit que tu en avais une cinquantaine. Mmh. Euh, généralement, euh, ce que tu fais, c'est que tu vas en commencer un et tu vas aller jusqu'au bout. Ou est-ce que tu en commences plusieurs et euh, tu, tu les complètes petit à petit mmh. Comment ça se passe euh, Je les compète petit à petit, mais en fait, euh, bah, en ce qui concernait euh, Mangatoon, euh, c'était vraiment structuré. C'était Astragal euh, euh, tout le temps. C'était que Astragal. Euh, mais. Euh, dans mon temps libre, c'est en fait suivant euh, ma motivation. Euh, Est-ce que déjà j'ai envie d'écrire aujourd'hui Parce que ça avant tout une passion. Il hein. faut, faut arrêter de se... Si, si on se force, c'est plus une passion, c'est plus un plaisir. Et euh, ça, ça gâche l'expérience et c'est n'est pas ce que j'ai envie. Donc euh, déjà, c'est uniquement quand j'ai envie d'écrire. Et c'est suivant euh, ce que j'ai envie d'écrire à ce moment-là. Si j'ai envie euh, d'écrire euh, sur... Euh sur par exemple le désert rouge, euh, ben même si euh, hier j'ai travaillé sur Astragal, et ben aujourd'hui ça va être le désert rouge. Mais ça reste quand même une palette assez euh, restreinte du nombre de projets sur lesquels euh, ça se produit. C'est vraiment, euh, ça, je vais pas faire par exemple sur 50 jours, je vais pas faire les 50 projets D'accord. Donc par exemple sur ces 50 projets, il y en a combien que tu considères avoir terminé, par exemple euh ben, déjà, il y a Astragal. Qui, ouais. euh, bah, le pre la première version est terminée, mais je le retravaille parce que forcément, entre mes idées de 2015 et mes idées de maintenant, il y a forcément des, des changements. Euh, mais il y a Astragal. Euh, là, je suis vraiment bien impliquée dans euh, dans le désert rouge que je fais euh, en live. Je fais pas le chap les chapitres en entier en live parce que euh, le live, ça, ça déconcentre énormément. Il mm -hmm. euh, y a quand même un minimum d'animation à faire, ce genre de choses. Euh, donc je suis pas concentrée il y a quand même un, un, un mur du coup à être en live avec euh, les émotions donc euh, je vais pas forcément ressentir euh, les, ce que j'écris de la même manière en live et si je le fais toute seule euh, dans mon coin euh, et c'est important aussi que de mettre le plus d'émotions possible dans ce qu'on écrit parce que sinon c'est plat et ça n'a aucun c'est pas intéressant <laughs> euh, mais euh, Sinon, euh, voilà, euh, c'est vraiment les projets sur lesquels euh, je me suis ultra focus en ce moment. C'est tout l'univers qui est autour de Astragal. Parce que Astragal, euh, ok, il y a euh, son livre en lui-même, mais euh, il y a tout, euh, il y a plein d'autres euh, projets plus ou moins aboutis aussi, qui se passent dans le même univers, dans la même temporalité, dans la même. Euh, dans la même réalité. Pareil avec aussi le désert rouge, puisque en plus le désert rouge c'est un monde fictif, donc c'est un monde que j'écris de, de toutes pièces. Et il y a aussi d'autres, il y a deux autres histoires en fait qui se déroulent dans ce monde-là, pas forcément en même temps, pas forcément dans la même temporalité, mais c'est dans le même monde. Donc voilà, c'est les deux gros groupes sur lesquels j'ai souvent envie de travailler. Donc quand tu parles de groupe, ça veut dire que les projets. Que tu décris, ils sont dans, ils sont, il y en a plusieurs par euh, par groupe. Ou est-ce que euh, euh, Dédère Rouge et Astragal, c'est un seul projet euh... Euh, Non, c'est deux projets différents. Ouais, c'est deux projets, euh... je veux dire. Euh... Mais enfin, en fait, c est, c est... C est deux groupes différents, le ouais. sens où, euh, par exemple. Euh... Dans le monde où se, se déroule Astragal, il va y avoir aussi euh, l'histoire de euh, l'oiseau, va avoir l'histoire de il va y avoir l'histoire de Louisiana, euh, euh, etc. Et, euh, et euh, par contre, il n'y aura pas, par exemple, le projet, euh, je, vais dire, euh, je vais en dire un au hasard, mais par contre, Layers, il ne va pas se produire euh, dans le même monde que, euh, que Astragal. Par exemple, euh, le, les personnages de, de Liars, ils n'auront aucun moyen un jour de rencontrer, de, au travers, euh, dans un bar ou quoi que ce soit, un personnage d'Astragal. Alors que les personnages de d'Astragal peuvent rencontrer des personnages de Seafoam, par exemple. D'accord. C'est dans ce, ce sens-là. on voit que le monde, il est, il est très, très clair pour toi. Est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer un petit peu. Euh, tu as parlé de Mangatoon tout à l'heure. Euh, en tout cas, de ce qu'est Mangatoon et euh, comment tu as venu à. À avancer avec eux, en tout cas euh, voilà. juste nous expliquer un peu plus euh, ça Alors Mangatoon euh, c'est un site mais c'est surtout une application mobile en fait où on peut lire des webtoons de manière euh, légale, c'est-à-dire que euh euh, c'est pas euh, genre euh, à la euh, manga fox etc où c'est des scans qui sont publiés par des traductions un petit peu illicites etc non là c'est vraiment les auteurs ou leurs maisons d'édition qui donnent les droits et les publications les traductions en fait euh, à euh, à mangatune et ils vont toucher justement de l'argent euh, via les lectures etc donc euh, c'est principalement donc pour des webtoons euh, principalement euh, des webtoons chinois il y a énormément de webtoons chinois qui sont dessus mais il y a aussi des webtoons coréens euh, j'ai pas, euh, pas vu de manga, donc j'ai pas vu de webtoon japonais. Euh, mais c'est euh, beaucoup de webtoon, c'est-à-dire des choses imagées. Euh, mais il faut, y a aussi euh, une partie euh, nouvelle, donc une partie euh, littéraire avec juste de l'écrit. Euh, c'est sur cette partie-là que j'ai travaillé. Donc euh, Encore aujourd'hui, j'utilise Mangatoon pour justement la partie webtoon. Je lis énormément euh, de, de webtoon. Euh, mais quand, mais je me suis lancée du coup quand j'ai vu qu'on pouvait publier ses euh, écrits avec eux, euh, bah euh, je me suis dit pourquoi pas. Euh, je, parle angl je parle anglais, donc je peux faire ma propre traduction euh, comme je l'entends euh, de, de mes œuvres, de ce que je, de ce que j'ai, de ce que j'écris, et euh, si je peux le partager euh, justement avec euh, avec les personnes qui utilisent l'application, pourquoi pas. Voilà, c'est dans ce sens-là. Euh, c'est assez facile hein, d'aller sur, sur Mangatoon. Par contre, euh, en ce qui concerne euh, justement se faire payer avec Mangatoon, c'est là où euh, euh, c'est ce qui m'a un petit peu refroidi et qui fait que euh, au fil du temps, j'ai arrêté euh, de, publier, euh, chez, de publier chez eux. C'est parce que euh, si on veut se faire payer, donc c'est-à-dire, euh, euh, je parle pas de fanfiction. Hein, euh, bien évidemment, euh, je, je mette ça euh, au clair pour tout le monde. Vous ne serez jamais payé pour des fanfictions. Mmh. Parce que vous n'écrivez pas sur une œuvre qui vous appartient. Euh, si vous recevez de l'argent pour une fanfiction, euh, si jamais euh, l'auteur de l'œuvre originale l'apprend, il, euh, il peut porter plainte contre vous. Parce que vous utilisez son œuvre pour vous faire de l'argent. Donc, euh, n'espérez jamais vous faire de l'argent avec des fanfictions. Euh, même si votre fanfiction BTS euh, elle, elle a des milliers de, de vues ou que euh, Eren et Levi ils sont trop mignons ensemble, euh, n'espérez pas. Euh, c'est juste pour euh, votre plaisir et le plaisir des, des lecteurs, voilà, de la fanbase. Est-ce que tu pourrais et... que préciser ce qu'est une, une fanfiction, juste pour euh, ceux qui ne savent pas tout à fait ce que c'est euh, une fanfiction, c'est quand par exemple, euh, je pense que euh, euh, Harry Potter, voilà, une fanfiction, c'est quelqu'un euh, qui va être très fan, par exemple, euh, du, du, du couple officieux euh, Draco-Malfoy-Harry Potter, et qui va vouloir écrire justement euh, sur un petit peu ce, ce, ce couple officieux euh, qui plaît tant aux fans. Voilà, c'est quelqu'un qui va écrire une histoire basée sur Harry Potter. Euh, pour justement faire, se faire plaisir à lui et puis faire plaisir à, à tous ceux qui aiment bien ce genre de, de couple et de ship, de comme on appelle ça. D'accord. Voilà. Donc, toi, en fait, tu as créé ton univers, ton œuvre, que tu as publié, en tout cas, euh, tout c'était quoi C'était tous les jours, tous les mois euh, voilà, comment ça en fait, se passait C'est là où il y a eu un hic avec MangaToon. Ouais. que euh, Pour se faire euh, décemment payer avec Mangatoun, donc là je parle, euh, quand je vais parler de, de, de chiffres, c'est par histoire. C'est pas en tout. Euh, euh, c'est par histoire, en fait. Euh, ils pouvaient nous donner, je crois que c'était 400 dollars euh, mensuels, euh, mais c'était uniquement si on remplissait donc, euh, certaines conditions, c'est-à-dire euh, 30 chapitres. Euh, où, enfin, 30 chapitres et 80 000 mots par mois. Ah C'est-à-dire oui. minimum, minimum un chapitre de, euh, je dirais, euh, de 2003, 2500 mots. Voilà. Euh, euh... Je peux vous montrer ce que ça donne, 2500 mots, puisque euh, ouais, c'est la, la base sur laquelle je vous montre en version papier. Voilà, parce que je pense que c'est l'idée que, que se fait la, la, la plupart des gens. En version papier, donc Astragal a été était, euh, était écrit de, de cette manière. 2500 mots, c'est ça en version papier. Voilà. C'est trois feuilles. On, trois on, feuilles. Dit, on a l'impression voilà, que ce n'est pas, pas énorme. Mais il euh, euh, faut savoir que euh, en moyenne, j'écris 1000 mots en une heure. Donc euh, ça fait quand même euh, deux heures, deux heures et demie, euh, si tu écris tout d'une traite parfaitement euh, pour un chapitre. Donc, ça, ça, commence, ça fait quand même euh, du temps à passer dessus. Euh, et puis, il faut, euh, faut avoir euh, toute, la, toute la relecture par derrière. Euh, il faut, euh, En plus, c'est pas des choses... La relecture, l'éditing, etc., c'est pas des choses qu'il faut faire à chaud. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé le point plus ou moins final de son chapitre, il faut faire une pause. Il faut y retourner au minimum deux ou trois heures après. Parce qu'on est tellement euh, à chaud... On est tellement persuadé de ce qu'on a écrit que les fautes de frappe, que les fautes d'accord, que les fautes de genre, c'est-à-dire le jeune fille au lieu de la jeune fille, on ne va pas les voir. Mmh. Le cerveau, il est tellement persuadé de ce qu'on a écrit qu'il va nous montrer ce qu'on a envie de voir. C'est plein de choses comme ça qu'on ne va pas remarquer et euh, on ne peut pas publier comme ça euh, aux gens. Euh, quelque chose qui est bourré euh, de, de, de fautes de frappe, de fautes d'édition, euh, ce genre de choses, c'est pas possible. Donc là encore, il faut du temps euh, pour euh, se calmer, pour oublier un petit peu ce qu'on a, qu a écrit, euh, et pour pouvoir avoir un, un regard neuf dessus. Euh, donc euh, ça fait déjà beaucoup de temps à passer pour un chapitre dans une journée. Il euh, faut faire ça donc, euh, tous les jours, obligatoirement, si, si on veut toucher 400, 400 dollars. Euh, 400 dollars, soyons honnêtes, euh, c'est pas avec ça qu'on va vivre un mois. Donc, euh, pour euh, espérer euh, vivre euh, un mois, il faut oublier au moins euh, deux à trois histoires. Euh, ça commence à faire beaucoup de chapitres à écrire, ça commence à faire beaucoup de temps de pause pour se laisser euh, le, le temps d'avoir à nouveau un regard neuf. Ça, laisse, ça fait, commence à faire beaucoup de temps de relecture, de réédition, etc. Euh, à un moment donné, euh, la journée, elle ne euh, fait pas 32 heures. Quoi. Et puis, euh, tu disais que c'était 30 jours, donc c'est tous les jours, même le week-end. C'est ça l'idée D'accord, ok. Tous les jours. Voilà, euh, après, j'avais réussi, moi, à prendre un rythme où euh, j'arrivais, en fait, euh, à écrire euh, parfois euh, trois chapitres euh, dans la journée. D'accord. C'est parce que, ben voilà, à il y a déjà une première version d'écrite. Je ne me lance hmm. pas dans une nouvelle histoire où j'ai besoin de tout construire. Il hein. y a déjà 500 pages. Le, le, la base, elle est déjà là. D'accord, euh, je vois l'idée. Euh, J'avais très peu de, déjà de, de travail. Euh, c'est une nouvelle version, donc il euh, y, a, y a des choses qui changent totalement, mais ça reste quand même quelque chose, sur la, un, un outil sur lequel j'ai déjà travaillé pendant cinq ans. Hmm. Euh, ce n'est pas, euh, pas tout nouveau. Quoi. En tout cas, ce que, moi, ce que j'imaginais pas du tout, c'est qu'en fait, euh, ce que tu dis, c'est que tu as construit ton univers au fur et à mesure des années, donc il est assez clair pour toi. Mmh et que euh, en fait, les histoires que tu construis se basent sur ces univers que tu complètes en fait à chaque fois. Bah, quand, quand je me dis, bah, tiens, euh, euh, bah, Astragal, j'en fait, je, euh, parle beaucoup, bah, parce que c'est euh, un petit peu la base de tout, Astragal, ouais. dans, dans mes projets. Euh, pour faire le topo, c'est euh, sur le thème euh, des, des vampires, mais on n'est pas euh, genre, à la euh, Vampire Night ou à la Twilight. Euh, vraiment je pars sur une base où euh, vraiment les vampires ont une origine euh, je ne vais pas dire scientifique mais euh, une origine par exemple euh, la vie et la mort ce sont deux entités c'est un petit peu comme des divinités mais c'est des entités euh, en elles-mêmes et euh, elles sont euh, par exemple euh, la vie elle va créer euh, donc elle, a, elle crée euh, les humains elle crée les animaux etc Sauf qu'au fur et à mesure de créer, elle se rendait compte que bah, sur la Terre, elle n'avait plus assez de place pour à nouveau pour se laisser euh, libre cours à sa création. Il y avait trop de monde. Donc la mort est arrivée pour justement faire le nettoyage de, de, de tout ça. Et euh, pour s'assurer que ses euh, enfants à la vie... Euh arrive un petit peu euh, à terme de ce qui était prévu pour eux. La vie va créer donc ce que les anges, les anges gardiens pour justement les protéger jusqu'à euh, ce qu'ils atteignent maturité, ce que leur âme et atteint maturité. Et lorsque l'âme a atteint maturité, euh, la mort envoie donc les démons pour justement euh, faucher ces âmes, les récupérer et euh, bah, au final faire mourir euh, donc les animaux, les gens, etc. Sauf que euh c'est passé euh, au niveau de la création des vampires, c'est quand euh, un démon euh, éprouve des sentiments euh, pour un humain. Il faut savoir que les anges et les démons, ce ne sont pas des entités humaines. Hein. Ils sont pas censés avoir de sexe, ils ne sont pas censés avoir de sentiments ou quoi que ce soit. Mais euh, quand ça arrive, du coup, bah, c'est un tabou extrême. Parce que euh, le démon, il a une, euh, il ne meurt jamais. Euh, c'est pas quelqu'un qui vit. C'est un, un chevalier de, de, de la mort, entre guillemets, si je peux essayer de résumer ça comme ça. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Sauf que l'humain pour lequel il va avoir des sentiments, lui, il a une fin. Et donc, euh, forcément, le, le démon, il ne veut pas ça. Donc, il va essayer de sauver. Donc, euh, dans le, euh, il va lui donner de son sang pour corrompre son âme, pour ne pas que euh, la mort récupère cette âme. Et euh, bah, ça, devient, ça devient tabou. Euh, et ça. Euh, et la mort, euh, bah, ça l'a ça, ça un petit peu euh, rendue furieuse. Et du coup, elle a euh, maudit ces humains qui ont fait euh, chavirer un petit peu euh, ces démons. Et euh, ça a créé les vampires, voilà. Et c'est en fait toutes ces, ces petites choses comme ça qui sont liées à Astragal qui vont euh, être liées du coup à d'autres. Euh, par exemple, euh, bah, Beautifully Horned euh, Taisho. Euh, je n'ai pas encore de traduction française pour ce titre. Je vous le dis tout de suite. Euh, je ne sais pas exactement comment on pourrait le traduire en français. Euh, parce que c'est littéralement quelqu'un qui a des jolies cornes, un hein, beautifully horned. Euh, voilà, c'est comme ça que ça se traduit. Euh, sauf que c'est très moche, dit en français. Et Taisho, c'est une, une période, euh, c'est la période 1920 au Japon. Voilà, donc c'est euh, basé sur ça, sur un démon qui, épr qui éprouve des sentiments pour une humaine et qui va donc euh, bah, commettre le péché et le tabou. Euh, voilà. Donc, euh, donc, forcément, c'est lié à Astragal, cette histoire-là. Donc, forcément, ça va être dans son univers. Et c'est que des choses comme ça euh, voilà, qui, où tout va être lié au final à Astragal. Parce okay. que ça a un lien directement euh, avec euh, l'origine euh, de l'histoire d'Astragal. Voilà, c'est on... comme ça que je fais un petit hmm. peu mes univers. En tout cas, on voit, on sent la passion. Hein. Quand on parle, mmh. c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui émane de toi. C'est. C'est vraiment chouette à voir. Du coup toutes ces inspirations, euh, tu les tires d'où Est-ce que c'est tu as des mythologies particulières dont tu t'inspires, euh, des religions, des courants de pensée bah, en fait, j'aime bien touche à tout, j'aime bien, euh, bien écrire sur euh, plein de choses différentes. Voilà, euh, si euh, par exemple demain il euh, y a, euh, que je découvre euh, bah, euh, une nouvelle culture particulière qui d'un seul coup euh, ben bah, je découvre ça sur, euh, sur YouTube, bah, j'aime bien bah tiens. Mais c'est intéressant en fait, c'est ça a l'air euh, super cool. Euh, j'ai creusé la question et je vais commencer. Je vais me dire bah tiens, j'ai pas de personnage j'ai pas de personnage qui a cette ethnie là. Euh, j'ai pas euh, d'histoire qui est dans cette temporalité là. Euh, j'ai pas d'histoire qui parle par exemple de la mythologie romaine ou euh, voilà ce genre de choses. Et euh, bah forcément, ça va me donner un petit peu envie de de. de... Pour moi, ça devient un problème. J'ai pas écrit là-dessus. J'ai pas écrit là-dessus. Il faut que j'écrive. <laughs> J'ai pas écrit! <laughs> voilà, c'est comme ça un petit peu que, que ça se passe dans ma tête. J'ai pas écrit là-dessus, il faut que j'écrive mmh. là-dessus. Et pour écrire justement sur un, un, une nouvelle thématique, euh, par exemple, tu parlais de De, de la civilisation romaine, euh, tu te renseignes un petit peu ou, ou pas? Enfin, comment ça se passe? Quand as une nouvelle inspiration euh, bah, euh, Je vais devenir un petit peu de, 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 de la mythologie romaine. Je vais parler de, plus de, euh, la du folklore et de la mythologie euh, japonaise. Parce que c'est euh, le thème de euh, l'oiseau. Okay. Euh, l'oiseau, donc the bird, euh, c'est euh, au Japon. Et c'est totalement euh, ancré dans le folklore japonais. C'est-à-dire avec toutes les divinités, Amaterasu, euh, euh, etc. Euh, les yokai, donc le kitsune, euh, le tori, etc. Euh, tout ça, euh, voilà, c'est ancré, euh, c'est l'identité même de l'histoire. Et du coup, je vais faire euh, énormément de, de recherches sur plein de sites différents pour avoir euh, un maximum, bah, justement, pas avoir tout le temps les mêmes yokai, pas avoir euh, tout le temps euh, les, mêmes, euh, les mêmes divinités. Et puis chercher un petit peu, creuser plus profondément, parce que euh, qui dit divinité japonaise dit euh, forcément des liens avec des familles encore qui existent encore maintenant. Euh, par exemple, il y a une, euh, une divinité, euh, euh, une divinité euh, en particulier. Euh, euh, je crois que c'est. Il s'occupe un petit peu, je crois. Euh, J'ai résumé ça, euh, c'est un petit peu l'administrateur de euh, Amaterasu. Voilà, mais c'est son rôle plus ou moins euh, mythologique, de toute manière, à cette divinité euh, euh, au niveau euh, du paradis euh, japonais. Mais euh, il est lié à la famille Fujiwara, par exemple. Voilà. Euh, il... D'après euh, le, le folklore, la famille Fujiwara descendrait de ce dieu. Donc, euh, ça, c'est par exemple, c'est des choses que j'inclus aussi. Je fais plein de, 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 de recherches euh, vraiment. Euh, D'accord. Euh, je, je passe des heures sur Internet juste hmm. à faire ce genre de recherches-là. OK. Pour rendre, euh, j'imagine, le monde euh, plus cohérent, c'est ça C'est ben, plus... euh, surtout que j'ai écrit sur une mythologie qui existe. D'accord, OK. Donc, euh, si euh, j'écris une bêtise. Euh, ça va pas le faire. Ok. C'est pas possible. Or, encore, euh, par exemple, un monde fictif comme euh, le désert rouge, je peux prendre un petit peu de tout partout et écrire des conneries, c'est pas grave. C'est un monde qui n'existe pas. Ce sont des, euh, des cultures qui n'existent pas. Je ne vais froisser personne, n'est ne... pas des conneries puisque ça n'existe pas. Mais euh, euh, sur une mythologie, un folklore, une culture qui existe, je peux pas me permettre de faire ce genre de choses. Hmm. C'est pas possible. Ok. Je... Alors, avant de passer à la partie suivante, j'ai une dernière question. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu écrivais en live, donc, euh, sur Twitch. C'est vrai que c'est surprenant d'entendre ça parce qu'on a, en tout cas, moi, l'image que j'ai en tête de, de l'écrivain ou l'écrivaine, ça va être seule face à elle-même, en quelque sorte. Euh, comment ça se passe? Euh, bah déjà, forcément, euh, je suis... il y a forcément cette barrière, justement, euh, bah, je ne suis pas seule. Bref. Donc, euh, je ne peux, peux pas passer littéralement deux heures à regarder une image de personnage comme ça et puis à essayer de penser comme ça, perdu, et à me dire, point, je ferais bien ça avec elle. Donc, du coup, il va se passer ça. À... Non, c'est quelque chose que je ne peux pas faire du tout sur Twitch. Donc, forcément, immersion, mon immersion à moi personnelle, elle est forcément un peu, euh, peu saquée. Ouais. Voilà, je détruis un petit peu mon immersion, mais c'est pour ça que je ne fais pas euh, les chapitres en entier. Surtout que euh, Le Désert Rouge, donc euh, le, le roman que j'écris en live, euh, ce n'est pas des, euh, des chapitres justement à la Stragale, des chapitres de 2500 mots et basta. Non, là, c'est vraiment des chapitres livres. Voilà, des chapitres livres papier, donc euh, 20 pages papier, donc c'est beaucoup plus long. C'est, euh, je crois, entre 6 000 et 9 000 mots. D'accord. Euh, je peux pas écrire ces 6 000 à 9 000 mots en live. Parce que sinon, je sais que ça va être une grosse merde. Voilà. Ça va être une grosse bouse. Et je sais que je vais haïr ce, ce roman. Et je n'ai pas envie de haïr ce roman. Donc, généralement, j'écris le début. J'ai écrit le prologue totalement live parce que c'est un prologue. Parce qu'il fait, justement, je crois, 1 1600 600 mots, euh, un truc du genre. Donc, euh, c'est assez court. Mais euh, voilà, je, je fais que quelque chose de rapide. Le reste, je l'écris toute seule pour justement être, avoir cette immersion. Mais euh, je trouve ça intéressant de justement euh, partager bah, déjà le logiciel sur lequel je travaille, parce que je ne travaille pas sur Word, je ne travaille pas sur OpenOffice. Euh, c'est des très bons logiciels pour commencer. Hein, J'ai commencé là-dessus aussi. Hein. Mais euh, quand on commence à avoir autant de projets comme moi, euh, avec euh, des élaborations comme ça, et puis euh, des centaines de personnages par projet. C'est euh, pas des, des logiciels qui sont décemment utilisables en fait. Euh, ils ont pas assez de fonctionnalités pour ça, pour euh, cette création. Euh, Scrivener, euh, il ne coûte que 50 dollars. Voilà. Scrivener ne coûte que 50 dollars. C'est à vie, c'est licence à vie. Euh, et pour ce qui est à l'intérieur, honnêtement, euh, c'est le saint graal. C'est le saint graal de l'écriture. <laughs> euh, même les, euh, les, les auteurs professionnels, ils utilisent Scrivener. C'est voilà, pour dire à quel point euh, c'est un bijou euh, ce logiciel. Il y a vraiment tout à l'intérieur. Euh, il est hyper bien fait. Euh, faut juste euh, faire attention parce que vu que c'est euh, un logiciel anglophone, faut rajouter le dictionnaire français. Bon, on peut le télécharger depuis Scrivener. Hein. Mais le dictionnaire français, euh, il n'est pas parfait. Voilà, Il lui manque euh, certaines orthographes, certaines conjugaisons, etc. qu'il faut rajouter après. Donc, euh, parfois, on peut avoir un mot de souligner en rouge alors qu'il est parfaitement bien écrit. C'est normal. C'est juste que c'est pas son dictionnaire natif. Et ce mot-là, il n'est pas, euh, pas entré dans le dictionnaire. Voilà. Mais ce n'est pas très grave. Mais voilà, mais, euh... Et donc, <laughs> en live, du coup... Voilà, Voilà, en live, du coup, je trouvais ça intéressant de partager euh, cette mécanique-là, en fait. Euh, de montrer un petit peu euh, déjà comment moi je fais, mmh. euh, comment, euh, comment je, je construis ça. Et puis euh, c'est aussi intéressant euh, d'un point de vue euh, construction euh, parce que euh, moi je sais ce que j'écris, je connais mes personnages sur le bout des doigts, je connais l'intrigue sur le bout des doigts. Mes personnages, c'est euh, je suis tous les personnages. Euh, C'est-à-dire que... Je... Je, je sais exactement ce qu'ils ressentent quand ils le ressentent. Il euh, n'y a vraiment aucun secret. Je suis chaque personnage de, 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 de mon histoire. Donc pour moi, tout est logique. Chaque mot que j'écris, chaque tour de phrase, tout est logique pour moi. Mais ce n'est peut-être pas forcément le cas pour un lecteur neutre qui découvre l'histoire. Peut-être qu'il y a des sous-entendus que je fais et il va se dire, mais, euh, mais ça veut dire quoi ça en fait J'ai pas compris ce que ça veut dire. Voilà, qui vont être par exemple compliqués pour quelqu'un qui ne connaît pas... Euh, toute l'histoire en elle-même. C'est quelque chose qui peut être compliqué pour eux. Et euh, le faire en live, justement, euh, ça me permet de leur demander, quand euh, mmh. je fais un sous-entendu particulier, leur demander est-ce que pour vous, est-ce que c'est clair ce que je sous-entends là D'accord. Est-ce que vous voyez où je veux en venir Voilà, c'est euh, intéressant parce que ça m'évite justement de travailler sur 6000 mots, de lancer ça et d'avoir tous les gens qui disent j'ai pas compris. Donc tu testes des idées en live bah, c'est pas que je teste des idées, je, je teste en fait des, euh, des constructions. Ok. Euh, parce qu'en soi, euh, que euh, Bidule, à la fin, euh, on se rend compte que c'est le grand méchant alors que euh, c'était la meilleure amie, par exemple, du personnage principal, euh, ça restera la même. Mais, mais euh, que je mette ou pas des sous-entendus à cette évolution euh, dans les chapitres ou pas, là, je vais avoir besoin justement euh, d'un avis extérieur. Est-ce que. Euh, est-ce que euh, si je mets ça, est-ce que euh, cette phrase-là, est-ce qu'ils vont tout de suite comprendre, par exemple, est-ce que c'est trop obvious, que euh, au final elle est méchante, ou est-ce que, euh, est que justement euh, ça passe, ils vont la prendre pour totalement autre chose, mais du coup ça a du sens. Par exemple, euh, quand je dis que c'est pas obvious mais que ça a du sens, c'est par exemple, est-ce qu'on peut penser que je dis ça à propos d'autre chose, qu'on peut penser que ça veut dire autre chose alors que ça veut dire ça, par exemple. Euh, alors que si juste euh, ça n'a aucun sens, euh, quelqu'un d'extérieur, euh, il ne comprend pas pourquoi j'ai dit ça, euh, que ça n'a au aucun sens par rapport à, à tout ce qui est écrit jusque là, euh, ben euh, au final ça sert à rien que je le mette. Ok. Voilà, c'est plus par rapport à ce, à ce genre de choses. On me demande dans le chat si tu risques pas de spoiler en fait euh, dans les dans les lives. Euh, bah non, je risque pas de spoiler parce que. Euh, euh, dans toutes mes fiches personnages, euh, j'ai tout surligné en noir, en noir les spoilers. D'accord. Donc c'est-à-dire, euh, par exemple, mes fiches personnages, ça va être, être non. Euh, si le nom, il a une signification particulière, parce que euh, je crée moi-même de toutes pièces les, les prénoms dans euh, le Désert Rouge. Ils sont créés, ce c'est pas des prénoms qui existent. Donc forcément, ils ont des significations. Et ces significations-là, par exemple, elles vont avoir des spoilers. Donc, elles sont, euh, elles sont surlignées en noir. Et au live, du coup, on, les voit, on ne voit pas la signification. Moi, je le sais. Moi, je connais la signification. Elle est toujours là. Donc, si jamais j'ai un doute, je peux toujours euh, enlever euh, en off euh, pour euh, revérifier. Mais euh, un viewer ne va pas, pas l'avoir. Hein. Le résumé du personnage, euh, tous les spoilers, par exemple, ils sont aussi... Euh surligné en noir, tout ce qui est euh, spoiler, euh, c'est euh, grisé, euh, pour un viewer, ça ne peut, peut pas être lu. D'accord. Voilà. Impressionnant. En bon, tout cas, beaucoup, beaucoup de, de préparation de travail. Surprenant d'écrire en live. Je suis très content de, de découvrir cette pratique avec toi. Bah, c'est surtout que ça m'aide aussi, par exemple, quand j'ai euh, un... Je suis pas sûre d'une tournure de phrase euh, je suis pas parce que je, euh, ouais. je, suis, je suis bilingue en anglais. D'accord. Et parfois, ça, en fait, ça me pose énormément de soucis dans le sens où euh, toutes mes notes, je les prends en anglais. D'accord, ok. Euh, le pro, les prologues, la plupart du temps, euh, les résumés, je les écris en anglais. Euh, donc, faut tout que je repasse après en français. Est-ce que euh, ça a du sens d'écrire ça comme ça Est-ce que c'est français d'écrire ça comme, comme ça Est-ce que... Euh, euh, voilà. Est-ce que euh, ce, ce mot, moi, il m'a l'air bizarre. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il vous a l'air bizarre à, à vous aussi euh, euh, Un synonyme, par exemple, parce que les répétitions, euh, faut pas en faire. C'est moche dans une phrase de ré une répétition. Euh, avoir un paragraphe où il y a marqué 50 000 fois euh, Flora fait ceci, Flora, 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 Flora. Au bout d'un moment, non, stop. Euh, il faut euh, il faut changer il faut mettre un coup flora un coup mettre euh, la jeune fille il faut un coup de mettre la jeune adolescente la blondinette euh, voilà euh, ce, faut mettre plein de choses comme ça et justement le faire en live ça le faire en live ça aide justement euh, quand euh, on ne sait plus trop euh, quoi utiliser à quel moment et ben on peut demander justement sur un avis extérieur euh, un petit peu un conseil justement qui va nous débloquer ça, ça peut être quelque chose de totalement euh, obvious, voilà. Ça peut être quelque chose de on, euh, quand ils vont nous le dire dans le chat, on va faire ah oh, mais oui mais je suis trop con. Mmh. Mais euh, voilà, mais justement c'est quelqu'un les viewers sont extérieurs et ils ont une façon de penser justement qui va être différente euh, de la nôtre qui écrivons. Bon, bah, c'est top. j'apprends vraiment, je découvre ça et je suis et je comprends donc que ça t'aide au final. Alors, je te propose de passer à, à la suite. Donc, euh, on va parler du, euh, des émotions. Euh, donc, là, l'idée, c'est de parler donc, euh, de, des quatre grandes émotions dont, dont j'ai l'habitude de, de parler par ailleurs. Et donc, euh, par rapport à l'écriture, quel serait pour toi un moment de, de joie, de grande joie, que tu pourrais nous, nous raconter Quelque chose qui t'est arrivé, qui t'a une fierté ou quelque chose qui t'a beaucoup plu euh, Mercredi. Alors, mercredi, euh, mes viewers pourront te dire que euh, quand j'ai lancé le live, j'étais absolument euh, enjaillée. J'étais euh, dans le... une humeur incroyablement euh, brillante. Enfin, euh, C'est comme s'il y avait le soleil qui irradiait euh, directement au-dessus de mon bureau. Mais euh, je venais de relire, du coup, les deux derniers chapitres que j'avais écrits sur, justement, Astragal. Euh, et euh, ces deux chapitres-là, que, que... Ce chapitre je les aime beaucoup. Il se passe... Euh... C'est vraiment deux chapitres très, très joyeux, très pipou, très. Euh... Oh Et euh, c'est vraiment, ben, au final, ça m'a confortée dans, dans mon plaisir d'écrire, parce qu'au final, quand je les relis, c'est voilà, ces chapitres-là, ben, voilà, au final, je redeviens lectrice. Mmh. Voilà, je, je ne suis pas que, que auteur de mes histoires, je suis la, leur première lectrice, leur, la première fan de mes histoires. Et voilà, ces deux chapitres-là, ils m'ont mis. Euh, voilà, tous ces chapitres pipou, tout, tout joyeux, tout mignon que j'écris, ils me mettent tout le temps dans une joie absolument incroyable. Parce que c'est trop bien ah <rire> voilà. <rire> voilà, donc euh, mercredi, j'étais d'une joie absolument... Il euh, n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. <laughs> donc, euh, tu arrives en fait à, à revivre, en, fait, en, en tout cas, euh, les émotions que tu veux faire passer quand tu écris, tu arrives à les ressentir quand tu lis derrière. Voilà, mais bah, en fait, c'est pour, pour ça que j'ai commencé à écrire. Hein. C'est pour, euh, <laughs> pour pouvoir lire hein. Ouais. Je l'ai pris pour pouvoir lire. Ça me dit, ça me que ça. Mais tu sais, quand il y, y a un chapitre qui est heureux, je suis heureuse. Hein Par, on, parfois, on entend qu'il y a certaines personnes qui vont faire des vidéos ou qui vont faire des films qui n'aiment pas se voir ou qui n'aiment pas regarder ce qu'ils ont fait. Toi, ce n'est pas ton ah, cas du coup. Les lives, je ne regarde jamais mes rediffusions de lives. <laughs> je ne regarde jamais mes rediffusions de lives. Ouais. Jamais. Mais, euh, mais voilà, je relis euh, mes écrits parce que c'est pour ça que j'écris, pour pouvoir le lire. C'est uniquement pour ça. C'est hyper clair. Alors du coup, quelque chose qui t'a fait flipper un moment de, de peur assez grand, ce serait quoi euh, Quand, euh, quand j'ai euh, changé ma configuration PC, euh, mi-janvier, j'ai changé donc, mon processeur, ma carte mère, etc. Et euh, quand j'ai lancé l'ordinateur, euh, bah, on m'a clairement fait savoir que le format de mon disque dur euh, n'était plus compatible avec le processeur actuel et que du coup, euh, il ne pouvait pas lancer Windows, il ne pouvait rien lancer du tout et qu'il fallait que euh, je formate. Et là, je me suis dit Mes histoires, je vais tout perdre Oh mon dieu Faut tout que je formate Il y a plus de 1 Tera, il y a 1 Tera sur ce disque dur je peux pas le, je peux même pas le tout transférer sur mon ordinateur portable. J'ai pas assez de mémoire sur mon ordinateur portable pour tout transférer. Je vais tout perdre. J'ai flippé ma race de fou, vraiment de, de, de tout perdre comme ça. De de, il y avait des choses que je pouvais les récupérer parce que c'était publié euh, sur internet, bah, via Mangatoon notamment. Mais Il y avait des choses non, c'était pas publié. Plein de plein de notes, plein de plein d'archives, des, des, des illustrations que j'utilise justement pour. Euh, pour m'appuyer visuellement ce genre de choses, j'allais vraiment tout perdre. Et, et j'ai été tellement en flip, mais pendant plusieurs jours, j'étais en flip incroyable, c'était monumental. Et là, je, au bout d'un moment, je me suis dit, ben écoute, euh, t'es es obligé de formater, t'es es, es, es obligé, de toute manière, tu peux pas l'utiliser, tu peux pas avoir accès à, à ton disque dur, tu peux pas utiliser ton ordinateur, dans tous les cas, tu ne peux, tu peux pas avoir accès à tes histoires. Euh, donc euh, bah, tant pis, je veux formate. j'ai formaté mon disque dur, j'ai relancé et là au moment où mon ordinateur s'est rallumé et que j'étais au plus profond de moi-même je me suis souvenu que j'avais tout déplacé à euh, mon dossier d'écriture sur le SSD adjacent et que du coup c'était bon Ah oh, putain j'avais mal au cœur pour toi <laughs> Aïe 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 J'ai ouvert dans mon ordinateur et j'ai fait oh putain mais je suis vraiment trop conne donc tu as tout récupéré, tu rien perdu oh, Non, rien perdu. Ah. Donc un terrain de données, euh, du coup c'est ce principalement de l'écriture, j'imagine, mais aussi des images, des musiques. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu sauvegardes autour de, des histoires que tu construis euh, ben, euh, en, en termes de, de musique, je ne sauvegarde pas tellement le, de musique, parce que j'utilise beaucoup euh, de playlists sur YouTube, par exemple. Euh, mais voilà beaucoup euh, d'images par exemple j'avais beaucoup les sur Pinterest sur euh, ArtStation etc c'est pas des images que je vais publier parce que c'est des images qui m'appartiennent pas euh, je ne dessine pas de personnages donc c'est à dire tous les tous les tous les dessins les illustrations de personnages que je vais utiliser c'est uniquement pour moi pour appuyer euh, mon visuel et du coup mes écrits pour éviter de faire des non-sens dire par exemple qu'un personnage il a les yeux bleus un coup et puis le lendemain dire qu'il a les yeux verts voilà, euh, c'est pour vraiment appuyer, euh, me remémorer euh, tel personnage. Euh, il a cette vibe-là, euh, il ressemble à ça. Euh, c'est des images d'archives. Voilà, ce sera jamais publié nulle part parce que ce ne sont pas des, des images qui m'appartiennent. Les seules images qui sont publiées, ce sont des images que, euh, des, du graphisme Voilà, que je fais moi-même. Donc, ça va être euh, tous euh, les graphismes de, de, de personnages. Donc, euh, ce que je t'ai envoyé, euh, je crois que je t'ai envoyé le graphisme pour Sam. Ouais. c'est celle-là que je t'ai envoyée bah voilà ça voilà c'est uniquement ce genre de choses que je fais voilà je fais uniquement ce genre de choses euh, et euh, les, les pièces voilà les, 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 les maisons les pièces où ils vivent où les actions se passent c'est les seules choses que je partage parce que c'est les seules choses que je fais moi-même euh, mais euh, voilà il y a plein d'images il euh, y a plein de notes donc c'est à dire ça peut être du bloc-notes ça peut être euh, du word ça peut être euh, ça peut être, euh, euh, tout et n'importe quoi ça, sur mon téléphone euh, J'ai 3 milliards de notes sur mon téléphone aussi euh, à propos de ça, parce que bah, parfois je suis dans mon lit, je suis en train de faire mon anogramme tranquille, et puis là je fais Oh, tiens, mais ça c'est pas mal. Et mon ordinateur il est éteint depuis longtemps, <laughs> donc je note ça dans mon téléphone aussi, mais voilà. C'est plein de notes, d'images de, d'archives, de, de, de lieux, ce genre de choses. Ouais, donc il y, y a beaucoup. On a quelqu'un sur le chat qui doit être dans l'informatique et qui nous dit euh, Tu ne mets rien dans un drive euh, non, non, parce que euh, je ne veux pas que, euh, pour une raison x ou y, euh, ça leake en fait. D'accord. Euh, voilà, euh, parce que je, même si je partage pas euh, tout euh, aujourd'hui, euh, il est possible qu'un jour, euh, si euh, un produit fini me plaît assez, par exemple que je l'envoie euh, à un éditeur, que je le publie sur Internet, et en fait, si ça leake avant, euh, bah forcément c'est du spoiler. Euh, et ça va attirer forcément moins de lecteurs parce que euh, ces gens-là, ils sont déjà au courant quoi, de ce qui se passe. Ils auront pas... On n'a pas envie de dire une histoire dans laquelle on sait déjà ce qui se passe. Donc, je n'ai pas envie que ça ligue. Je n'ai pas envie euh, aussi du vol parce que c'est assez compliqué aussi au niveau des copyrights, euh, au niveau des droits d'auteur. Euh, il y a euh, un organisme officiel en France qui s'occupe des, des droits d'auteur, mais il euh, faut leur envoyer le manuscrit euh, fini. Voilà. Euh, là, actuellement, euh, j'ai pas de manuscrit fini. Euh, le seul, bah, c'est le bouquin. Mais bon, le bouquin, euh, voilà, hein, euh, je, à moins de venir chez moi et de le voler, euh, normalement, euh, voilà, il, il est safe. Hein. Bien sûr. Euh, mais voilà, il y a un organisme, est il faut déjà tout envoyer en produit fini, ou sinon, on peut utiliser euh, les, euh, les accusés d'inception, c'est-à-dire imprimer son manuscrit le mettre dans une enveloppe craft et euh, se l'envoyer avec avis euh, de réception euh, vraiment euh, scellé sur l'ouverture donc l'avis la de réception mis sur l'ouverture de l'enveloppe et euh, donc quand on va recevoir quelques jours plus tard notre propre enveloppe ne pas l'ouvrir parce que là il y a la date il euh, y a la date euh, de où on l'a reçu euh, c'est daté, euh, c'est scellé. Et ça, ça peut faire preuve, justement, euh, en cas de, de vol via Internet d'un manuscrit. Par exemple, d'un un coup, il euh, bah, y a une série Netflix qui ressemble étrangement à ce que j'ai euh, sorti euh, sur, euh, par exemple, Wattpad il euh, y a trois ans. Ou alors, euh, ben, euh, je suis allée à Cultura et puis il y a un livre, ben, euh, j'ai effleuré un petit peu comme ça euh, ces pages et ça ressemble quand même beaucoup à ce que j'ai écrit. Euh, pareil, sur 404 Factory il euh, y, euh, y a deux ans. Euh, chelou, quoi. Euh, ben, ce genre de choses, ça peut permettre, par exemple, si au final, euh, une fois qu'on lit toute l'œuvre, qu'on regarde toute l'œuvre, c'est vraiment trop similaire, ça, ça c'est du plagiat au final. C'est vraiment que ce genre de choses-là qui peuvent nous protéger, en fait, d'accord euh, pour récupérer justement nos droits. Parce que voilà, sur Internet, on va publier sur Wattpad, on va publier sur 404 Factory, on va partager euh, sur Facebook, sur machin, sur Bidule. Mais du coup, euh, si on ne s'est pas protégé derrière via ces procédés-là, n'importe qui peut faire un copier-coller de, de, de notre travail, l'envoyer à un éditeur, et si au final ça plaît à un éditeur, et ben lui se faire éditer avec notre travail, mmh. notre livre que nous on a écrit. Ouais. Voilà, et c'est quelque chose, voilà, euh, j'ai pas envie que ça arrive avec. Euh, donc, je mets rien euh, qui ne soit pas protégé. Donc, euh, forcément, tout ce qui est drive, etc., j'évite. Donc, tu fais attention, quoi. On, donc, une question, on dit euh, donc, du coup, tu ne souhaites pas publier le, le livre sur lequel tu écris actuellement euh, Le livre, euh, la, celui sur lequel je travaille en live, euh, Le Désert Rouge, il est publié sur 404 Factory. D'accord. Euh, mais euh, du coup, il y a forcément les lives euh, qui, euh, qui prouvent en même temps que c'est moi qui l'ai écrit. Donc de ce côté-là, euh, ça me permet aussi, les lives, d'être un minimum safe au niveau de mes droits d'auteur. Parce que justement, euh, l'écriture, bah, euh, elle est filmée, elle est publiée en live, il y a une date de stream, etc. Donc à ce niveau-là, je suis safe. Et il faut savoir que 404 Factory, euh, c'est un site euh, un petit peu à la Wattpad, sauf qu'eux, ils ont leur équipe d'édition. Euh, y a la, ils ont leur maison d'édition attachée. Ils ont 404 éditions. Et de temps en temps, ils font des concours. Et ceux qui gagnent les concours, ils ont justement, ils sont publiés via cette maison d'édition. D'accord. Donc, je sais que aussi via ce site, je suis quand même un minimum protégé euh, grâce à eux. Ok. Donc, je publie. S'il y a des choses que je veux publier, c'est uniquement grâce via eux ou alors via Mangatoon, voilà, qui aussi, il euh, y a un disclaimer que euh, c'est des droits d'auteur protégés, etc. Bon. Alors, on a un tout petit peu dérivé par rapport à, à nos émotions, mais c'est pas très grave. Euh, donc, si on y retourne, euh, quelque chose qui t'a énervé pendant euh, ton activité d'écriture, ce serait quoi Quelque chose qui t'a beaucoup énervé euh, Le destin que je réserve à certains de mes personnages. Parce que, forcément, euh, j'aime. Euh, a... Je suis comme tout le monde, hein, un personnage qui va être euh, profondément gentil, qui va être. Euh, qui va être, euh, ou alors qui va, ça va être un enfant hyper mignon quelqu'un qui va donner beaucoup d'amour qui, qui est vraiment un support incroyable ben, euh, si pour le bien de l'histoire je dois le tuer ça va m'énerver ça va m'énerver de devoir faire ce genre de décision euh, bah, ça va m'énerver parce que euh, je suis quand même à moitié -même, euh, moi -même, même. donc cette partie lectrice de moi-même elle va être fâchée contre la partie autrice de, de moi de devoir faire ce genre de ce genre de choix ça va m'énerver, euh, ça va m'énerver d'être obligé de, de faire ce, ce genre de choses, euh, parce que euh, aucun de ces personnages-là ne, ne mérite ça. Euh, donc ouais, ça va profondément m'énerver euh, de, de devoir faire ce genre de choses. Donc d'assassiner des, des gens euh, qui à réfléchi à une histoire pendant peut-être des années. Et de... <laughs> voilà, il y a des destins forcément. C'est on est obligé parce que si par exemple c'est que les méchants qui meurent. Je suis désolée, mais c'est une, une histoire cachée. Euh, je ne vais pas passer par quatre mains. Euh, si tous les gentils sont vivants, ils sont heureux, et tous les méchants, ils sont morts, ils sont malheureux, je suis désolée, mais c'est un enfant de 4 ans qui a écrit ça. Bon. Euh, alors, attends, est-ce que là, je viens de, de recevoir des, des abonnements Merci Baguette, merci pour... Euh... <laughs> pour, euh, pour tout ça, euh, on a une question, euh, une autre question donc, euh, pour, pour réagir par rapport aux peurs. Donc, tu disais, euh, ta plus grande peur en fait, c'est de perdre des productions ou de te les faire voler. Ouais, c'est ça, d'accord. Non, à moi qui est investi dedans, c'est tout, toute mon âme. <laughs> voilà. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. <laughs> euh, et donc, euh, bah, la dernière émotion, ça va être de la, de la tristesse. Qu'est-ce qui t'a profondément attristé à un moment donné dans... Euh, euh... Je vais parler que d'un seul personnage. Il y a deux personnages récemment qui m'ont même fait pleurer. Ah oui. Euh, et en parler que d'un parce que l'autre ce serait du spoiler. Euh, donc j'en parlais que d'un parce que justement c'est déjà quelque chose. C'est déjà un chapitre qui a été publié sur Mangatoon, donc c'est plus du spoiler. Euh, c'est euh, Sam euh, dans euh, Astragal. Euh, c'est quand j'ai écrit le chapitre sur euh, son, euh, son passé, son histoire familiale. Euh, Sam c'est euh, donc la meilleure amie euh, de Flora, euh, le personnage principal euh, au centre de tout. Donc euh, Sam, euh, elle, a, comment, elle, elle connaît Flora au travers au début d'un blog euh, que Flora tient euh, parce que Flora euh, c'est une gamine qui est beaucoup harcelée à l'école. Qui est beaucoup martyrisée donc euh, pour euh, extérioriser un petit peu ses peines que, dont elle ne peut parler à personne au final elle, elle tient un blog et euh, ce blog là sam euh, elle s'y elle attache aussi elle le lit énormément parce que chez elle euh, même si à l'école tout se passe bien elle a des amis et puis elle a l'air pétillante mais bah, chez elle c'est pas c'est pas non plus la, la grande joie euh, sa maman est décédée quand elle était toute jeune euh, par euh, voilà sa maman infirmière à rentrée de elle rentrait très tard de, de, de son travail. Il y a un chauffard euh, ivre qui l'a renversée. Voilà, elle a perdu sa maman très jeune. Euh, au bout de quelques années, son papa s'est remarié. Euh, et euh, avec cette nouvelle compagne, ils ont eu un petit garçon. Et à partir de ce moment-là, euh, elle n'existait plus pour son père. Euh, son père n'avait plus qu'une seule famille et ça ne l'incluait plus. Euh, elle, euh, son père continuait donc euh, de subvenir de à ses besoins, à l'avoir à la maison parce que n'était euh, pas parce que c'était sa fille mais plus parce que euh, ça aurait été mal vu de l'abandonner voilà, euh, on lui aurait jeté des pierres voilà euh, on l'aurait vu comme un connard s'il l'avait abandonné c'est uniquement pour son image à lui qu'il qu a gardé Sam avec lui et ça elle le sait, elle le ressent euh, tous les jours qu'elle fait jamais euh, les choses assez bien euh, qu'elle est jamais assez gentille avec son petit frère euh, par exemple dans le chapitre que, que j'ai écrit qui m'a fait pleurer c'est un chapitre où par exemple elle rentre euh, du lycée et euh, elle se rend compte que qu'il ben, y a euh, un petit lapin en peluche qui a disparu de sa chambre. Euh... Et elle se rend compte que c'est dans la chambre de son frère. Et euh, quand elle va euh, elle va confronter son père, son père il va lui dire bah, T'en as plus besoin, euh, t'as as 17 ans, euh, t'es trop grand maintenant pour ce genre de choses. Sauf que ce lapin en peluche, c'est sa maman qui lui a offert quand elle, était, quand elle était toute petite. Donc il a vraiment un, 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 un gros, euh, gros poids émotionnel qui lui est attaché. Et euh, c est, c est, voilà, c'est que des choses comme ça auxquelles son père, il, il, il s'en fiche. Il s'en fiche totalement, euh, c'est que son fils maintenant. Et elle est totalement délaissée, elle est totalement mise de côté. Et euh, comme je l'ai dit, je suis chaque personnage. Pas dans le sens littéral où il y a une partie de ma vie cachée dans chaque personnage, mais dans le sens où vraiment je ressens l'intérieur de chaque personnage, je ressens toutes leurs émotions. Je sais exactement euh, ce qu'ils ressentent au moment où ils le ressentent, comment ils vont sentir, comment ils se sont sentis dans le passé. Euh, comment ils vivent les choses, euh, toutes les blessures qu'ils ont subies, dans leur courage, ils le tout le temps. Donc, forcément, quand j'écris ce chapitre-là à propos de sa relation avec son père, qui euh, au final, elle l'aime plus que lui ne l'aime, euh, c'est quelque chose euh, de, de clairement triste qui lui a extrêmement, extrêmement fait mal au cœur. Euh, parce qu'au bah, final, elle a, le, elle a le cœur brisé par son père, quoi, littéralement. Et en plus, quelques jours plus tard, il la met à la porte parce qu'elle a 18 ans et qu'elle est adulte. Enfin, en fait, vraiment, euh, par rapport aux, aux émotions que tu vis, tu les vis euh, à travers tes personnages, à travers tes histoires. C'est vraiment des choses que, euh, qui, qui ont l'air d'être vraiment fortes, en fait. Hein. Dans tout ce que tu nous racontes, euh, c'est souvent lié aux histoires que, que tu écris. Bah, et que tu... Bah, déjà, il y a le fait que je, chaque personnage fasse partie de moi, que forcément ouais. je les écris et je sais tous d'eux. Mais il euh, y a aussi le fait que euh, je suis j'ai un cerveau qu'on appelle hypersensible juste pleurer beaucoup ou être très joyeuse hein. quelqu'un d'hypersensible c'est quelqu'un qui forcément va avoir euh, va ressentir plus d'empathie que la normale qui va ressentir forcément les émotions plus fortes que la normale mais qui va aussi avoir tout un côté créatif ou voilà il y a plein de choses qui il y a plein de paramètres qui rentrent en compte mm -hmm. comme un psychopathe c'est pas que un tueur hein. c'est quelqu'un qui va avoir des difficultés justement à ressentir de l'empathie au contraire etc voilà c'est euh, l'hypersensibilité c'est une façon de décrire le fonctionnement d'un cerveau voilà, euh, et c'est ce que c'est c'est le fonctionnement du mien, et c'est ce qui explique que je vis plus intensément, on va dire, euh, les émotions de mes personnages. Okay. Euh, évidemment, c'est mes personnages à moi, je sais ce qu'ils ressentent, mais en plus de ça, euh, je les ressens euh, plus fort que, que quelqu'un euh, de lambda. Ok. Écoute, euh, merci pour ton partage. Il euh, y a une dernière question supplémentaire par rapport à ça, qui revient un peu sur les, les droits d'auteur. Donc, c'est Nas de Revier qui nous dit Y a-t-il des solutions légales qui te permettent de protéger tes œuvres qui ne sont pas encore éditées Un peu comme les brevets où tu déposes des versions de ton texte, comme ça tu as une preuve que tu l'as écrit. Bah justement, il y a. Euh, je pourrais plus euh, te dire euh, le nom exact parce que c'est un nom à rallonge avec des abréviations à tout va. Mais il euh, y a justement euh, un site où justement tu peux envoyer ça, mais c'est payant, hein, bien évidemment. Ouais. C'est payant, je crois. Je ne sais plus si c'est à l'année, au mois, voilà, ils stockent, ils stockent tes données, elles sont protégées, du coup, via droit d'auteur. Si jamais on te les vole, tu les contactes et puis eux, ils peuvent certifier que non, euh, à telle date, tel jour, tu as donné. Euh tu as envoyé ça, donc euh, c'est bien euh, ton œuvre à toi. Et puis, ben, il y a du coup euh, cette histoire de, de la poste. Si on veut éviter de payer, je crois, euh, c'est hyper cher, hein, c'est au moins 25, euh, 25 euros par mois, une carrière du genre pour les droits d'auteur. D'accord. Euh, de, mani de manière officielle. C'est quand même assez cher. Et si on n'a pas les moyens, ben bah voilà, c'est euh, une fois que tu as écrit un chapitre, tu l'imprimes, tu te l'envoies euh, par recommandé avec la ce description. ce que tu Voilà, scellé sur l'entrée. Donc, comme ça, euh, si. Vraiment, il faut que, faut que l'ouverture de l'enveloppe soit scellée par l'accusé de réception. Qu'on puisse pas dire euh, tu as envoyé une, une lettre vide et après tu as mis ton truc dedans. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que tu as faites du coup De t'envoyer euh, tes. Bah, non, je ne les ai pas faites parce que justement, euh, ce n'est pas sur Internet. D'accord, ok. Donc, euh, euh, il faudrait qu'on s'introduise chez moi, qu'on allume mon ordinateur, qu'on déverrouille avec mes mots de passe pour récupérer ensuite mes fichiers et les transférer. D'accord. Voilà. Et donc c'est 25 euros par œuvre du coup euh, pour euh, les... euh, Je ne sais pas exactement, il y, y, y a des forfaits, j'avais regardé, mais voilà, c est, c est, ça reste quand même assez cher pour quelqu'un qui écrit euh, ben, comme moi, qui écrit euh, juste par passion. D'accord, je vois l'idée. Ok. Alors je te propose de passer à... Donc là maintenant l'idée ça va être de construire un peu les, les étapes de... Euh, donc, euh... Les grandes étapes qui vont constituer une journée type quand tu écrivais, donc tu me parlais tout à l'heure de, de, de l'écriture, notamment pour euh, Mangatoon, j'imagine que c'est peut-être de ça dont tu vas nous parler. Oui. Euh, et du coup, ben, ça commence par quoi Ce serait quoi la, la première étape dans ta journée euh, euh, liée à l'écriture euh, La première étape, c'est d'abord de vérifier euh, une dernière fois avant euh, sa date de mise en ligne du chapitre, par exemple. Un chapitre qui a déjà donc, euh, été... Euh... Été euh, planifié. Euh, je vais d'abord vérifier euh, une dernière fois que, euh, bah, vu que c'est une nouvelle journée, je vais avoir à, à nouveau un regard neuf. Revérifier une dernière fois pour tout ce qui est euh, faute de frappe, euh, faute d'accord, euh, surtout que, bon, euh, ça reste. Euh, je publiais en anglais, donc forcément, il y a toujours. Euh, bon, il y a forcément moins de fautes d'orthographe. Mais il euh, y a forcément des petites fautes par-ci par-là. Euh, si j'ai des doutes, par exemple, euh, sur euh, est-ce que à ce moment-là c'est Adbin, Asbin, voilà, euh, ce genre de choses, revérifier une dernière fois que je c'est vraiment ce... je suis vraiment ok avec la version qui va être publiée, euh, faire des modifications si j'en trouve, euh, et ensuite je vais me mettre sur le chapitre d'après. Donc en fait, la première chose que tu fais, c'est que tu relis euh, le chapitre d'avant. Enfin, de celui que tu as, as écrit la veille, quoi. Voilà, et c'est celui, celui que, que tu publies. D'accord. Ok. Donc j'imagine que tu, du coup, euh, tu le publies après C'est ça l'idée Bah ben, en fait, ils sont programmés. Voilà. Euh, D'accord. Je le, je, le, je le mets en ligne, je l'édite comme j'ai envie de l'éditer euh, avec le format Mangatoon, hein, évidemment. C'est pas, euh, pas non plus un site. Euh, voilà, il y a un côté littéraire, mais c'est pas non plus hyper, euh, hyper poussé. Euh, on peut pas faire de lettrines ou ce genre de choses hein, voilà. mmh. euh, ça reste une édition sommaire mais euh, vérifier que je suis ok avec tout ce qui est euh, dessus et euh, voilà et, euh, quand, euh, quand je fais ça euh, on a la possibilité justement soit de publier tout de suite d'envoyer ouais. tout de suite euh, en ligne soit de le programmer donc c'est à dire euh, le programmer par exemple ce soir à 18h ou euh, demain à 9h enfin euh, voilà ok donc, alors, du coup, tu me disais, première étape, vérifier une dernière fois les fautes de frappe, euh, les, les erreurs, etc. Voilà. Euh, alors, ce, ce truc-là, dans quel état tu te sens Est-ce que, tu vois, j'ai une, une petite liste d'émotions qui va apparaître. Euh, tu, dis, tu te décris comment, à ce moment-là euh, plutôt, plutôt calme, parce que, bon, ça reste quand même quelque chose euh, d'assez... Euh j'ai pas non plus un éditeur qui va m'appeler en me disant euh, si ça ça tout de suite là maintenant t'as vu l'heure etc donc euh, si je fais ça à 17h euh, alors que le truc il est en ligne à 17h30 c'est pas grave tu vois donc euh, c'est assez calme en plus il faut être, il faut être assez calme il faut être posé pour euh, voilà, bien voir les choses telles qu'elles sont et, euh, et euh, vérifier donc euh, voilà donc c'est pas, pas quelque chose de particulièrement pénible par exemple. Non. D'accord. Alors ensuite, euh, derrière ça, qu qu'est-ce euh, qu que tu fais après les, cette vérification-là Eh bien, j'ouvre Scrivener. <laughs> j'ouvre Scrivener pour le chapitre suivant. Ouais. Et donc euh, comment ça se passe Du coup, tu te lances de, dans l'écriture directe euh... Comment tu décrirais euh, ça À ce moment-là, je, me je, me euh, euh, moment je, moment je me mettais des horaires. Euh, à ce moment-là, je me mettais des horaires. C'est-à-dire qu'entre euh, telle heure et telle heure, il euh, n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas euh, de YouTube, il n'y avait rien. C'était Scrivener, Scrivener, Scrivener. D'accord. Voilà, euh, je mettais mon téléphone euh, en, en réveil pour justement... Euh, euh, la, la petite pause pour euh, euh, si jamais j'ai un petit creux ou ce genre de choses et puis reprendre après. Mais euh, voilà, sinon, tant que le téléphone n'avait pas sonné, c'était Scrivener et c'est tout. Ok. Euh, au début, vraiment, au tout début, quand j'ai commencé, c'était pas un problème. Voilà, c'était juste c'était calme, c'était même de la plus ou moins de la joie d'écrire. Mais euh, à la fin, quand j'arrivais justement bah, vers les chapitres euh, euh, entre 20 et 25, ça commençait un petit peu à devenir une étape pénible. Parce que euh, je n'avais pas forcément euh, l'inspiration à ce moment-là. Euh, je me forçais un petit peu, je n'avais pas forcément envie d'écrire à ce moment-là, mais je me forçais parce que j'étais obligée. J'étais obligée dans le sens où euh, si je n'écrivais pas, euh, je publiais pas. Donc c'était euh, de l'ennui, de l'énervement, ou c'était plus fort encore C'était vraiment quelque chose qui te... était très frustrant Ça me saoule. Ça me saoule. Ça me saoule. C'est d'ailleurs pour ça que, que j'ai fini par arrêter. Hein. Ouais. Je ne voulais, voulais pas me sentir comme ça face à l'écriture. D'accord. Mais euh, voilà, sur la fin, c'était euh, ça me saoule. Quoi. Je me posais, j'arrivais comme ça là, sur, euh, sur mon siège et puis... Euh... Il enfin, faut que je prenne un truc là. Voilà. Donc c est, c est... ce qui t'ennuyait, c'était le, le sentiment d'obligation. quoi. C'était voilà, le, le fait. Euh... Euh, voilà, C'est vraiment l'obligation. Euh... Euh, je dirais pas c'est pas de la pression mais c'est euh, dans le sens euh, ouais euh, dans le sens euh, si je le fais pas je pourrais pas te payer hmm. voilà d'accord ça a duré combien de temps cette euh, aventure Mangatoun bah ben justement j'ai fait euh, j'ai fait euh, ce mois comme ça là le premier mois comme ça mm -hmm. Et euh, après, j'ai eu une réponse, euh, j'ai eu un petit échange avec Mangatoon, justement, à, à ce niveau-là, euh, où ils m'ont dit euh, clairement, euh, voilà, euh, dans les conditions qu'on vous a données, ok, euh, ça, euh, clairement, euh, ça va au niveau du contrat, mais euh, euh, voilà, au niveau, euh, au niveau de vos lectures et tout, on aimerait bien qu'il y ait plus de gens, patati patata, donc euh, euh, les 400 dollars, euh, ça va être compliqué. Et là, j'ai fait. Euh, bah, vous voyez là le futur avec nous ça, avec moi ça va être compliqué aussi vous voyez d'accord euh... okay. <laughs> si pour vous c'est compliqué bah, pour moi c'est mort en fait ouais, l'idée. ok donc du coup euh, tu commences par euh... donc tu continues en écrivant le chapitre suivant tu donc tu te bloques combien de temps à peu près euh, au début je me bloquais entre euh, 17 et h euh, et 2 h du matin au début c'était les horaires que je me bloquais. Euh... Sauf que honnêtement, je ne suis jamais allée au-delà de 20h. Voilà. Je n'ai jamais fait plus de 17-20h. Et euh, sur la fin, euh, vers les. à partir euh, ouais, entre chapitre 20 et 25, euh, généralement, j'avais fini mon chapitre à 18h30. D'accord. Ok. Alors donc, du coup, ce serait quoi les étapes suivantes une fois que tu as écrit ce, ce chapitre-là euh, me dire que ça y est, je suis plus obligée de le faire. Ok. Voilà, sur, sur la fin, c'est ça y est, me dire je suis plus obligée de le faire, mais du coup, c'est euh, d'aller euh, le mettre dans Mangatoon. Voilà, l'envoyer à Mangatoon et faire une première édition, euh, un premier editing euh, à chaud. C'est-à-dire, euh, pas vérifier l'orthographe ou quoi que ce soit, euh, mais euh, plus euh, vérifier qu'au niveau du format euh, final, après, en tant que, une fois que c'est publié sur Mangatoon, que ça corresponde au visuel que j'attends euh, que ça ait. Voilà, voilà c'est faire euh, les modifications visuelles nécessaires euh, via, euh, avec le format manga-tout. Ça veut dire quoi le format visuel que tu attends J'ai du mal à me représenter en fait euh, ce qui est derrière. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie qu'il y ait un espace euh, entre un paragraphe et un dialogue Tu vois, un saut de ligne Est-ce que j'ai voilà. envie qu'il y ait un saut de ligne Est-ce que euh, j'ai envie qu'il y ait un, un, un retrait euh, au début du paragraphe, est-ce que j'ai pas envie qu'il y ait de retrait au début du paragraphe euh, Est-ce que j'ai envie que euh, ce soit euh, écrit euh, centré Est-ce que j'ai envie que ce soit écrit justifié euh, euh, les, euh, les mots qui sont censés être en gras pour euh, au niveau du style, les mots qui sont censés être en italique, ceux qui sont euh, normales, euh, voilà, tout ce genre de choses. Vérifier que les, euh, les guillemets elle soit correcte par rapport aux guillemets que j'ai prévus hmm. euh, voilà parce que sur certains sites toutes les guillemets ne sont pas pris en euh, ne, ne, ne sont pas euh, dire ne fonctionnent pas okay. les guillemets françaises sur certains sites elles ne hmm. fonctionnent pas par exemple ouais, j'ai entendu parler de ça effectivement ça te prend combien de temps donc euh, cette mise en ligne et cette relecture à peu près euh, hein. je dirais une heure d'accord une heure, parce que euh, je vais faire beaucoup de. Euh, je vais d'abord faire euh, donc, euh, un entier, puis après, je vais faire un aperçu. Et puis, je vais me rends compte qu'à telle ligne, il y a ça qui ne va pas. Donc, je quitte l'aperçu, je, rem je remodifie, etc., etc., jusqu'à ce que ça ait plus ou moins ce que je veux. Mais euh, généralement, euh, c'est. Euh, et euh, je reparlera. C'est l'étape d'après. Après. Ce qui se passe après, euh, par rapport à ça, c'est l'étape suivante. <laughs> Ok, bah vas-y, je t'écoute. Euh, L'étape suivante, ben, c'est justement le chapitre qui vient d'être publié. Euh, ouais. Re-vérifier au niveau de son éditing. Euh, parce qu'un aperçu, c'est bien, mais ce n'est pas euh, la publication en elle-même. Donc peut-être qu'il y a encore des choses qui ont bougé. Voilà, euh, parce que ça arrive. Voilà, euh, c'est pour ça que je vérifie, parce que justement, ça arrive. Et à ce moment-là, je remodifie, je relis encore une fois le chapitre qui a été publié. Et si je retrouve des choses, euh, je réédite, euh, je le ré euh, recorrige et, euh, et je republie. Voilà. Ok. Alors, du coup, pour bien comprendre, euh, tu écris ton chapitre. Ensuite, tu l'envoies sur Mangatoon. Alors, moi, la, la notion que je maîtrise pas, c'est que tu parles d'aperçu. J'ai pas bien compris ce que c'était. Si tu pouvais nous dire quelques bah, mots. Justement, en fait, on a donc la page euh, d'écriture. Ouais. Voilà où on peut modifier euh, nos, les lettres, etc. Et euh, en fait, euh, en bas, il y a le choix entre euh, donc publier ou euh, voir avoir un aperçu. Voilà. D'accord. Et euh, justement, cet aperçu, ça fait euh, popper une, une page où justement, c'est un petit peu format PDF. C'est euh, ça te montre un exemple de ce à quoi le chapitre tel qu'il est, il va ressembler une fois publié. D'accord. C'est euh, ça justement que j'utilise pour vérifier que tout soit euh, en ordre. Euh, ok. Donc en fait, tu fais d'abord une première relecture où tu regardes des aperçus, puis après c'est le moment de publier. Donc c'est une deuxième relecture plus fine au niveau, cette fois-ci, de, de l'orthographe, des fautes de frappe, ce genre de choses-là. Après, au niveau de l'orthographe, euh, généralement, il n'y a, a pas de faute d'orthographe parce que même si j'écris en anglais, un euh, ben, scrivener à la base, c'est un logiciel anglophone. Donc, forcément, il euh, y a euh, les dictionnaires irlandais, il y a le dictionnaire euh, anglais, il y a le dictionnaire américain, australien, néo-zélandais, etc. Donc, euh, forcément, euh, normalement, je ne peux pas faire de faute en anglais avec ce logiciel. C'est impossible. <laughs> euh, mais euh, c'est plus dans le sens les fautes, euh, les fautes de temps parce que bon, ça reste quand même pas, il n'y a aucun de mes parents qui, qui parle anglais, donc je parle, je suis bilingue anglais à l'heure actuelle, mais c'est euh, simplement parce que j'ai fait des efforts pour ça que j'ai beaucoup, énormément utilisé l'anglais, mais je ne suis pas native non plus. D'accord. Donc je peux toujours faire des fautes. Alors donc du coup, euh, tu as parlé d'un autre terme aussi qui est l'éditing. Euh, ça correspond à quoi l'éditing Je suis désolée, je repose des questions parfois peut-être euh, un peu bas niveau. Ben, euh, voilà, c'est ce dont je te parlais, c'est est-ce que euh, j'ai envie par exemple euh, euh, mes dialogues, est-ce que je veux que ce soit uniquement des guillemets D'accord. Est-ce que je veux utiliser guillemets-d'accord ou uniquement tirés Est-ce que si j'utilise uniquement les tirets, est-ce que je veux qu'il y ait euh, euh, une ligne de vide entre chaque euh, Est-ce que euh, je fais pas de retour à la ligne euh, entre chaque euh, ce genre de choses que, euh... Ou alors, est-ce que je fais des dialogues plus sommaires avec carrément le nom de point et le dialogue, mmh. etc. Euh, ce genre de choses. Est-ce que dans le paragraphe, je fais un retrait donc C'est-à-dire, euh, comme on peut voir euh, dans, dans les bouquins, euh, généralement, le, le premier mot, il est plus en retrait par rapport au reste du paragraphe. Euh, est-ce que je veux ça Est-ce que au final, c'est juste un bloc euh, égal euh, euh... Italique, est-ce que je mets de l'italique, où est-ce que je le mets, le gras, où je le mets, est-ce qu'il y a des trucs barrés pour justement euh, d'un point de vue stylistique, etc. C'est ça. Voilà. Ok. Alors, donc, moi, ce que j'ai pas tout à fait euh, pigé, c'est que tu me dis qu'en fait, après l'écriture, tu l'envoies sur Mangatoon, tu vérifies les aperçus, puis après, tu revérifies le chapitre, euh, donc tu le remodifies, tu le relis, tu le réédites et tu le recorriges. Qu'est-ce que ça veut dire en fait Ça veut dire que tu le relis, tu as deux phases de relecture, c'est ça l'idée euh, non, en fait, ce, euh, je relis celui que euh, qui a été mis en ligne après. D'accord. Voilà. Okay. Parce que là, encore une fois, ça peut-être peut, peut -être avoir bougé au niveau de, de l'édition que j'ai fait, du coup, euh, que j'ai revérifié euh, avant Scrivener euh, à l'étape 1. Voilà, euh, il a été publié euh, à 17 ou 18 heures. Mmh. Et du coup, à ce moment-là, je revérifie euh, donc, à quoi il ressemble en ligne euh, pour vérifier s'il n'y a pas d'autres choses à, euh, qui ont bougé. D'accord, voilà. ok. Ok, d'accord. Donc, en gros, répétez euh, une dernière fois, juste, juste pour, pour être sûr de bien comprendre. Euh, donc, t'écris ton article, ensuite tu publies sur Mangatoon, tu vérifies, etc. Et juste après, tu vérifies celui d'avant, en fait, qui vient d'être publié. C'est ça. D'accord. Ok. Euh, et donc, euh, ok. Est-ce qu'il y a une étape, du coup, après, après celle-ci? Euh, si j'ai l'inspiration, si je suis de bonne humeur, si je suis motivée, euh, si j'ai pas mis trop de temps euh, pour faire tout ça, euh, je peux potentiellement écrire un autre chapitre. D'accord. <laughs> voilà, mais après, c'est pareil, c'est la même chose. Euh, euh, voilà. On retourne à l'étape 2, 3, etc. D'accord. Ok. Euh, alors, on va essayer de passer des, un peu des, des émotions par rapport à ça. Donc, le soulagement de l'écriture. Euh, j'imagine bah, voilà une émotion de tu l'as dit de, de soulagement euh, ce serait comme ça que tu le tu le définis une fois que tu as fini ce, ce chapitre euh, sur la fin ouais sur la fin c'était c'est vraiment euh, ça y est j'ai fini Et euh, vraiment sur la fin fin euh, je crois j'avais quatre euh, ou cinq chapitres d'avance euh, donc euh, j'ai vraiment euh, je savais que j'avais plus rien à faire euh, au chapitre 20, je savais que j'avais plus rien à faire, plus rien à écrire, parce que de toute manière, mon partenariat avec Mangatoun, je n'allais pas le renouveler, je n'allais pas continuer. Donc, euh, c'était un gros bas les couilles D'accord. Ouais. <laughs> C'est franc. Okay. Euh, donc, du coup, tu, euh, on nous pose une question justement par rapport à ça. Est-ce que l'obligation de sortir des chapitres était un frein à l'inspiration Oui. Bah oui. Parce que on n'est peut-être pas forcément dans le mood. Mmh. On n'est peut-être pas forcément. Euh... Bah, par exemple, euh, si aujourd'hui euh, je dois écrire euh, un chapitre hyper triste euh, de la mort d'un personnage, mais que ben voilà, je viens de recevoir un, un coup de téléphone euh, qui m'a euh, annoncé une hyper bonne nouvelle, que je suis hyper hype, euh, je mangeais comme jamais et tout. Bah, ça va être compliqué d'écrire ce chapitre en fait. Mmh. Ça va être limite impossible. Parce que je suis de trop bonne humeur, en fait, je ne vais pas pouvoir ressentir l'émotion de la bonne manière. Je ne vais pas pouvoir euh, utiliser des, les mots euh, adéquats. Je ne vais pas pouvoir décrire la scène comme elle est censée être décrite. Euh, ça va être un chapitre de merde. Donc, euh, oui, euh, c'est clairement euh, l'obligation, c'est clairement un frein. D'accord. Et euh, moi, après cette maintenant que j'ai cette expérience-là, euh, les auteurs comme. Euh, comme euh, pour, pour Game of Thrones, etc., qui mettent trois ans à sortir un bouquin. Euh, bah, allez-y. Euh, tu peux le sortir que dans dix ans ton bouquin euh, fait. <laughs> si c'est ce qui te convient, en fait, fais. D'accord. Donc euh, prendre le temps d'écrire un livre. Finalement, maintenant, tu t as pris du recul sur ça et tu comprends parfaitement en fait le. Bah, euh, oui, oui. Parce que euh, un, un livre, en fait, une histoire. C'est n'est euh, pas juste euh, des mots euh, qui forment des phrases, c'est euh, des mots qui sont censés donner des émotions à lecteur Parce qu'un euh, livre qui donne aucune émotion, euh, qui transmet rien, qui ne transmet aucune joie, aucune tristesse, rien du tout, euh, bah c'est pas un livre qui a, qui a un, un intérêt à le lire. Okay. Et s'il te transmet rien, ce bouquin, c'est une perte de temps. Et pour pouvoir transmettre ces sentiments, il faut quand même un minimum les vivre pour pouvoir avoir les, les, les bons mots, pour les décrire correctement et les partager justement à ceux qui vont les lire après. Et quand on n'est pas, on pas dans, dans le mood nécessaire pour, euh, qui, qui correspond en fait à, à ce qui est censé se passer dans le chapitre, c'est compliqué. Ça marche. Alors je vais terminer avec ces deux dernières étapes. Donc l'envoyer sur Mangatoon, vérifier les aperçus et revérifier le chapitre suivant. Tu définirais comment ton état d'esprit, ton, ton émotion à ce moment-là? Euh, dans un sens, je suis heureuse en fait de pouvoir partager avec les gens. Je suis impatiente justement qu'il le lise parce que bah, je suis fière quand même euh, de ce que j'ai écrit. Ça reste mon histoire, je l'aime de tout mon cœur, c'est mon bébé. C'est attention si tu la que je vais venir à la maison et puis euh, ça va mal se passer pour toi en fait. Euh, mais euh, voilà, j'ai forcément de la fierté, j'ai très hâte qu'on la lise. Euh, je suis je suis contente de partager avec les autres et puis dans un sens ben euh, sur la fin, j'étais forcément aussi euh, bah, un petit peu euh, soulagée que euh, ça, se, ça se termine, que j'ai pu cette, cette obligation, que ça y est, cette étape de ma journée, elle est finie. Voilà. D'accord. Donc, c'est quand même. Euh... Bon, après, voilà, c'est ce que tu me disais. C'est une passion pour toi, l'écriture. Et globalement, tout le processus d'écriture, malgré le fait que tu avais un peu de pression à la fin, ça restait quand même vachement, vachement joyeux, en fait. Ben bah oui, oui, bah, c'est une passion. Hein. En fait, si, si, si on n'y prend pas du plaisir, faut pas le faire. Hein. Bah ouais. C'est pour, pour ça que j'ai arrêté Mangatoon, parce que je, je n'y prenais plus de plaisir. Hein. Mais euh, on peut pas dire c'est une passion, mais elle me fait chier quand même. Non, ça ne pas comme ça. Faut que ça donne un minimum de joie, et puis euh, que ça mette de bonne humeur. Sinon, euh, le faites pas, en fait. Si ça ne vous rend pas heureux, ne le faites pas. Voilà. Et dans oui. tout, hein. Dans tout, hein. Pas que dans l'écriture. Hein. Si euh, votre neveu, il euh, y a un match de foot dimanche et que ça vous fait chier d'y aller, vous ben, euh, vous direz à votre frère euh, bah, écoute, je vais être un petit peu honnête, ou alors vous, vous trouvez une excuse euh, à deux balles. Euh, votre, euh, vous avez crevé, vous n'avez pas remplacé le pneu. Euh, euh, ne faites pas les choses qui, qui ne vous rendent pas heureux. Bah, écoute, c'est euh, une, belle, une belle phrase pour, pour terminer cette. Euh... Bon voilà, cette étape-là, et puis commencer à, à conclure un peu cette interview. Si toi, tu avais deux conseils à donner aux gens qui auraient envie de faire un peu comme toi, qu'est-ce que ce serait euh, Déjà, euh, de savoir euh, s'ils ont envie euh, d'en vivre, euh, s'ils si, euh, le font justement euh, en espérant gagner de l'argent, s'ils le font simplement pour leur plaisir personnel. Euh, S'ils ont envie euh, que les autres le lisent, est-ce qu'ils ont déjà des appréhensions par rapport à leur niveau d'écriture mmh. Est-ce qu'ils euh, peuvent ressentir de la honte à, parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas un bon niveau, etc. Et puis surtout, euh, de réfléchir à ce qu'ils veulent écrire, en fait. Euh, quel... Si vous écrivez des histoires totalement originales, euh, rêvez grand. Rêvez grand, il n'y a pas de mal à ça. Euh, écrivez ce que vous voulez. Euh, après, restez quand même respectueux des cultures, etc. Hein euh, quand même un minimum. Euh, mais euh, laissez-vous emporter. Par contre, si vous faites des fanfictions, euh, sachez que ce sera uniquement pour votre plaisir et pour le plaisir de vos lecteurs. N'espérez rien d'autre. Rien du tout. Voilà. Euh, aussi euh, sympathique soit votre histoire euh, sur. Euh sur RM et puis euh, Jean qui ont, euh, qui ont enfanté Suga. Euh, je suis désolée, mais euh, vous ne ferez jamais d'argent euh, avec ça. Euh, vous euh, ne serez jamais édité avec ça. Euh, voilà, ça n'ira pas plus loin que du plaisir euh, de partager avec euh, d'autres fans. Voilà. C'est quoi as ton, ton grand rêve, du coup Puisque tu demandes de rêver grand euh, bah, euh, D'avoir mon livre euh, en librairie. Ce serait chouette. Voilà, tout simplement. Et euh... Mais c'est un processus quand même assez, assez, assez compliqué. Euh, je pense que ça peut être un conseil que je peux donner. Espérez pas euh, finir votre bouquin, l'envoyer et puis, euh, allez, ils vont me répondre. Il euh, euh, y a 99% de chances qu'on ne vous, on vous réponde pas. Euh, parce que vous faites partie euh, des milliers de manuscrits euh, que mmh. les maisons d'édition euh, papier reçoivent chaque semaine. Euh, vous vous doutez bien qu'ils ne les lisent pas tous euh, et que le flot euh, de, euh, de manuscrits ne s'arrête pas. Euh, donc, forcément, il euh, y a des sélections un petit peu hasardeuses du genre, il euh, bah, y a une première sélection qui va se faire au titre. Les titres qui sont à chier, bah, en il fait, n'y euh, a personne qui va les lire. Ensuite, ça va être une sélection au résumé. Un résumé qui a chier, personne ne va le lire. Ensuite, il y aura quelqu'un d'autre qui va vérifier le premier chapitre ou le prologue. S'il est à chier, ça n'ira pas plus loin non plus. Et après, si ça passe jusque-là, il y a potentiellement un éditeur qui va lire votre bouquin entier. Mais encore une fois, même si le premier chapitre est bien, peut-être que le reste de votre livre est à chier et ça n'ira pas plus loin non plus. Donc, il faut. C'est dur, là. Faut... Non, mais c'est la réalité, il <laughs> faut quand même qu'il garde ça à l'esprit que euh, voilà. Donc, soit vous avez la chance d'avoir quelqu'un dans le milieu qui peut un petit peu vous pistonner et passer ces barrages, euh, soit il faut que vous ayez beaucoup de chat. Voilà, il faut avoir de la chance. Toi, tu as un petit peu de réseau là-dedans ou pas Non, et du coup, je n'ai pas, pas tenté pour l'instant. Je n'ai tenté du tout. Okay. Et euh, c'est pour ça que si vous voulez vraiment, euh, si votre premier bouquin vous tient à cœur, euh, allez sur Kindle. Hmm. Ils éditent tout le monde. Hmm. Allez sur Kindle. Si ça se vend, ça se vend. Si ça se vend, pas trop. Ok. Bon, bah, on a plein de conseils. Merci. Euh, du coup, euh, pour pouvoir te contacter, si jamais on veut en savoir plus sur toi, te suivre ou quoi que ce soit, sur quoi on peut... Euh, enfin, comment on peut faire Est-ce que tu as des... Qu'est-ce que tu veux en gros C'est un peu ton instant promo, si je peux dire ça. Bah déjà, j'ai ma chaîne Twitch. J'ai ouais. ma chaîne Twitch. Donc, euh, IMX, tout simplement. Tu veux euh, la mettre dans le chat, par exemple euh... Je sais pas si tu es dedans ou euh, je peux le faire pour toi, si tu veux. Euh... Alors, j'allais sur le deuxième écran. <laughs> oui, j'ai deux écrans. J'ai un setup professionnel. Voilà. Euh... Donc, euh, j'ai ma chaîne Twitch, euh, j'ai les réseaux sociaux, donc euh, j'ai euh, Twitter, Instagram, euh, pour tout ce qui est réseaux sociaux que j'utilise. Après, j'ai une chaîne YouTube, mais pour le moment, euh, je ne mets pas grand chose dessus. J'ai juste mis au début les, les, premières, euh, les premières VOD, mais euh, je live beaucoup trop pour que ce, je, fasse, je les mette toutes en fait. Donc, pour le moment, j'ai arrêté. Euh, je crois que j'ai deux jours de off dans la semaine. Donc, clairement, ça fait cinq VOD par semaine. Je ne peux pas toutes les éditer et toutes les, <laughs> les publier. Euh, Ce n'est pas possible, c'est pas viable. Euh... Donc, euh, voilà. Euh, Twitter, Instagram. Et puis, euh, j'ai aussi un ArtStation. Il n'est pas mis sur ma, sur, euh, sur ma chaîne, dans, dans la bio. Euh, mais euh, si on veut me trouver sur ArtStation, c'est. Euh... Soit Ayu Chiba, je vais le mettre aussi. Ouais. Je crois que c'est dans ce sens-là. Alors. Alors, les deux noms, c'est moi. Le premier, Moana NC, c'est le nom que j'utilise pour écrire. Et le deuxième, c'est le nom que j'utilise pour signer justement les œuvres que je publie sur ASSEC. Donc, les deux, c'est moi. Je suis Aenis, je suis Moana NC, je suis Ayumichiba. Je suis les trois. C'est juste que euh, je n'utilise pas le même nom pour euh, tout. Parce que Aenis, c'est purement gaming. Euh, Moana euh, NC, c'est purement euh, littéraire. Et puis Ayumichiba, c'est uniquement le dessin. Voilà. Ok, c'est top. Voilà. Eh bien, écoute, Aenis, euh, un énorme merci pour, euh, pour ton témoignage. Bah, merci à toi de m'avoir invité. J'ai adoré ta franchise et. Euh... Et la manière, ta passion. On ressentait vraiment ta passion. C'était, enfin, moi, ça m'a touché. Hein. Euh, la manière dont tu, tu vis tout ça, c'est, euh, je trouve ça vraiment, vraiment chouette et beau en fait. Bah en et, fait quand, euh, quand quelqu'un aime quelque chose depuis plus de dix ans, en fait, c'est forcément, euh, c'est fini. On l'a perdu dedans. Faut pas, faut pas me lancer sur le sujet en fait. Ouais, mais ça se voit. Ça se voit. Et du coup, c'est hyper cool. Et la, la toute dernière question que j'aurais, c'est en fait savoir si jamais on veut t'aider. Euh, euh, je, je ne sais pas de, de quelle manière. Euh, en fait, comment on peut t'aider à, euh, à atteindre ton, ton grand rêve de, de publication en librairie Eh bien, euh, d'aller lire euh, ce que je publie sur euh, 404 Factory. D'accord. Parce que généralement, ce, ce genre d'auteurs comme ça, sur ces sites qui se font publier, ce sont généralement ben ceux qui se font remarquer, qui font le buzz, qui ont plein, plein de vues. Voilà, où justement, les, les éditeurs, ils, ils vérifient tous. Hein. Ils sont tous sur ces sites et puis bon, ils se disent, bah tiens, cette histoire-là, elle plaît, il y a peut-être euh, peut quelque chose à faire derrière. D'accord. Voilà. OK. Donc, euh... eh ben, écoute. Euh, pour 404 Factory, le lien, il est aussi dans ma bio, sur ma chaîne. OK. Voilà. Bon, bah, au moins, il y, y a toutes les infos. Je ne sais ouais. pas si tu, tu veux... Enfin, je te donne le mot de la fin pour conclure euh, notre, euh, notre discussion. Puis après, moi, je continuerai euh, à conclure avec mon chat euh, de mon côté. Euh, pour votre bonheur, ne soyez pas trop égoïste, mais soyez-le quand même un petit peu. <laughs> Vous êtes votre priorité. Vous êtes votre priorité. C'est beau ce que tu nous dis. Bon, bah, écoute, euh, un énorme merci. Et puis, bah, je te souhaite euh, une super soirée. J'espère que ça s'est bien passé pour toi. Bah oui, nickel. Et puis bon, bah écoute, à l'occasion, on se recroise, en tout cas, avec plaisir. Ouais, avec Allez. plaisir. Ciao. Ciao.